soir-là, je viens de voir un enjoliveur, un Universal. Se pose, voilà, bye. Bonjour, là je suis à Valence et j'ai vu un enjoliveur. Citroën Berlingo Saxo en 14, voilà, bye. Bonjour, alors là je suis à Oust et j'ai vu un enjoliveur dans le fossé. Un Peugeot 208. Bye. Bonjour, là je suis à Cré, j'ai vu un enjoliveur. Universel, presque neuf, voilà, bye. Bonjour, alors cette semaine j'ai trouvé 5 enjoliveurs. Pour commencer, voici un bel universel tout neuf en 14. Il est en très bon état. Aucune rayure. Derrière, toutes les fixations sont OK. Spark en 14. Le Versaco. Après, un autre universel de la même marque en 14. Celui-ci est abîmé ici. Il était au milieu d'un rond-point, du coup j'ai pas pu filmer. Derrière, il manque le cerclage et un clips. Modèle traîneau. Après, un enjoliveur de Citroën Saxo VTS phase 2 ou Citroën Berlingo. Il est en bon état, la peinture est pas très belle, un peu partie, il est pas mal rayé. Derrière, toutes les fixations sont bonnes. Après, un autre universel, encore de la même marque en 15. On voit que c'est pas de la très bonne marque. Hein. Ils tiennent pas trop bien. Si c'est rayé et raflé, il reste en bon état. Derrière, il manque un clips. C'est Nardo en 15. Et pour finir, un Peugeot 208 en 15 aussi. En bon état. C'est vraiment dommage, souvent ils sont rayés en lambeaux. Et lui, il est vraiment très peu rayé, un petit peu ici. Et ici. Mais malheureusement, il a perdu pas mal de sa couleur. Regarde, toutes les fixations sont bonnes.